L'Austrasie, un empire immense au cœur de l'Europe, divisé en d'innombrables groupes ethniques qui supportaient mal le joug des Wolfsburg, dont la dynastie était sur le trône depuis des siècles. Les salles de leurs palais, les murs de leurs châteaux féodaux portaient les traces de leur politique sanglante et étaient peuplés des fantômes de leurs victimes. Il s'est passé des choses bien étranges en Austrasie, il y a longtemps. Qui ne s'en souvient? Mais je suis sans doute la seule à tout savoir, oui. Vous n'avez pas oublié les révoltes des minorités nationales contre le pouvoir tyrannique du vieil empereur François, les disparitions et les meurtres mystérieux à la cour. Dans la famille impériale même. Moi, je connais les clés de tous ces événements terribles. J'ai vu beaucoup de choses. On m'a confié plus d'un secret. Au commencement de mon récit, vers 1884, je n'étais déjà plus une jeunesse. Pour tous, j'étais Giska, la bohémienne, la sorcière, la paysanne de la forêt noire. Un soir d'hiver, dans ma vieille roulotte tirée par mon fidèle Tiarko, Dieu ait son âme, je traversais le Val d'Enfer. Oh, il porte bien son nom. Ce ne sont que gouffres et précipices. D'un côté, l'escalade des noirs sapins, de l'autre, le vide. Entre eux, le chemin rocailleux où peinait Tiarko. Plus vite, noble bête, plus vite. Il faut arriver à Buchen avant la nuit. Tiens. Un aigle là-bas. Ne vole pas si bas, oiseau des tempêtes. Hélas, Giska connaît déjà les sinistres présages qui pèsent sur Reginald Rakovitz-Siglitza, son roi. Allez, Tiarko, allez. La police montée. C'est bien de l'honneur pour nous, hein, Tiarko? Halt! Mais c'est Giska. Alors, on se promène en forêt? Sans but bien précis, comme d'habitude. Bien entendu, rien de caché dans ton carrosse, vieille sorcière. Fouillez-moi ça! Eh bien! Ni arme, ni message pour ceux qui complotent la ruine de l'Empire. Hmm? Bien sûr. Pas le moindre fusil de chasse, hein? Que ferait d'un fusil de chasse une pauvre impotente? D'un seul, évidemment, pas grand-chose. Mais d'une centaine, par exemple. D'une centaine? Ouais. Tes frères, les fils de la poussière et du vent, sauraient bien s'en servir, n'est-ce pas? Ah, ça, évidemment. Tant qu'il y aura des loups, il y aura des fusils, mon bel officier. Des fusils de chasse, sûr. Alors, rien? Rien. Rien. T'as de la chance. Le diable te protège. Ansel! Un petit conseil tout de même, vieille chouette. Déguerpis. Sinon, tu pourrais bien tomber dans les griffes du duc Karl de Brandenburg. Karl le Rouge? Le grand duc Toqué? Ah ben, s'il t'entendait, tu le paierais cher. Très cher. Oh, oh, oh.
tout le pays de Bad l'appelle comme ça, à cause de sa cruauté. Suffit. En route! Longue vie à Sa Majesté l'Empereur! Longue vie à l'Empereur François! Tiarco. Regarde. Tu vois ces remparts, ces murailles, ces énormes bâtisses? Tu reconnais ce donjon qui domine la falaise? La tour cage de fer. Oui, elle est vraiment sinistre. Tu as raison, Tiarco. Pressons le pas. Mieux vaut ne pas s'attarder dans ces parages quand le grand duc Toqué séjourne dans la tour cage de fer. Allez, au trot ! Au trot ! Ah, Dame Rosa et vous, messieurs. Vous voyez cette roulotte qui n'a l'air de rien? Mais c'est celle de Gisca, la paysanne de la forêt noire. Les prédictions qu'elle m'a faites me poursuivent jour et nuit, monseigneur. La superstition populaire lui attribue des pouvoirs diaboliques, mais inutile d'être sorcier, messieurs, pour deviner ce qui l'amène à Buren. Et Dame Rosa, la fidèle gardienne de la tour, a bien tort de prêter attention à ces bilevesées. Ne riez pas, Excellence. Ce halo surnaturel favorise évidemment son petit trafic, car elle est sans doute la boîte aux lettres des conjurés. Vraiment? Oh, elle sillonne infatigablement les routes de l'Empire et j'ai la conviction qu'elle est l'émissaire de la société secrète, les heures. Les heures? Mais cette société n'est sans doute ni aussi puissante ni aussi dangereuse qu'on le dit. Détrompez-vous. Son emprise s'étend désormais sur toute l'Austrasie. Connaît-on ses chefs? Elle n'en a plus qu'un seul. Le roi des Bohémiens. Reginald Rakovitch-Iglitsa. Le Pontigan. Lui-même. Le virtuose de l'archet. Le bourreau des cœurs. Et le grand chef de la Terre en Marche. Mais n'est-il pas l'ami intime du prince héritier? C'est fait. Incroyable. Oh, mais c'est précisément cette impériale amitié qui l'a protégé. Il a pu ainsi, dans l'ombre, durant des mois, préparer à l'insurrection ces va-nu-pieds qui n'attendent plus qu'un signe de lui. Qu'espère-t-il donc? Mais c'est évidemment d'imposer par la force cette fédération des nationalités du Bas-Danube dont l'empereur ne veut pas et à laquelle seul le prince héritier est favorable. Exactement. Aussitôt proclamée par Iglitsa, cette fédération reconnaîtrait l'autonomie de chaque race et en premier lieu de la sienne, la race bohémienne sigène. L'époux de la route. Rêve insensé. Et voué à l'échec le plus sanglant. Fort heureusement. Et les prédictions de cette vieille Toqué ne se réaliseront pas davantage, Dame Rosa. Elle nous a terrifiés à jamais, ma fille et moi. Nous sommes souvent seuls dans la tour, cage de fer. Rassure-toi, Rosa. Karl de Brandenburg aussi attend son heure. Et je crois qu'elle sonnera le glas du beau Tzigane avant que les siennes ne se mettent à carillonner. Mais que fait ta fille? La voici. Mère, tout est prêt. Nous te suivons, mon enfant. Messieurs, la visite continue. Après les remparts de la tour, la case de fer. Martin Belli, de jour en jour, quel âge a-t-elle donc? Mais bientôt 16 ans, seigneur. Pour vous servir. 16 ans, diable. Allons. Jésus n'aimait que les gens de la route. Il disait, « Nourrissez-vous comme les petits oiseaux qui mangent le pain où ils se trouvent. » Ça, Tiarco, c'est dans l'évangile tzigane. Alors tu comprends, mon vieux compagnon, le grand duc Toqué a beau être le plus féroce des loups d'Austrasie. S'il ne nous aime pas, ça nous est bien égal. Les tziganes sont les vrais fils de Dieu.
Mes amis, la voilà, cette fameuse salle aux oubliettes dont on parle encore avec terreur aux veillées du Val d'Enfer. Regardez. Elle est aussi célèbre dans la forêt noire et même au-delà que les tragédies historiques qui s'y sont déroulées au cours des siècles. Elle a donné son nom à ma demeure. Marthe, passe-moi le flambeau. Et suivez-moi, mes amis. Comme vous voyez, elle est entièrement entourée d'épais barreaux de fer, comme celles destinées aux bêtes fauves dans les ménageries, mais celle-ci plus spacieuse et munie de chaînes rivées, ça et là. Vraisemblablement réservée à certains usages, abritée d'autres pensionnaires, enfin bref, malgré son âge vénérable, elle pourrait encore servir, non ? En changeant la paille, bien entendu. Taisez-vous, monseigneur, je vous en conjure. Sinon... Sinon... Vous appelleriez le malheur sur ma mère et sur moi. Vous n'avez rien à craindre, vous dis-je. La malédiction ne pèse que sur mes ennemis et sur ceux de l'Empire. Puissiez-vous dire vrai, monseigneur? Je dis vrai. Si quelqu'un est en danger d'être jeté dans ces oubliettes d'où l'on ne remonte jamais vivant... Ce n'est ni Dame Rosa, ni sa charmante fille, messieurs. Mais bel et bien Guisca elle-même! Et mes prédictions valent mieux que les siennes. Ce coin-là aussi a son charme, n'est-ce pas, messieurs? Il convient parfaitement pour un prisonnier, enchaîné, debout. Si jamais la paysanne de la forêt noire s'ennuyait toute seule, on pourrait y installer confortablement certain horloger de ma connaissance. De qui parlez-vous, monseigneur? Oh, Dame Rosa, ce ne sont pas les horlogers de précision qui manquent à Buren. Buren est un village perdu au cœur de la forêt noire. Mais il est célèbre dans tout le pays de Bad pour la beauté et la précision des coucous qu'on y fabrique. Pourtant, il n'est relié au reste du monde que par un mauvais chemin qui mène à Fribourg vers le nord, à Totnau vers le sud. Trois fois par semaine, la diligence de Totnau s'arrête à l'auberge de la Pomme de Pin. C'est la plus honnête et la plus solide des diligences, la plus complaisante aussi. Elle ne repart jamais avant l'arrivée de sa rivale, le courrier de Fribourg, qui lui fait bien souvent perdre un temps précieux. Là, dans la menuiserie de Maître Martin, parmi les boîtiers de coucou et les cercueils, nous allons faire la connaissance de Maître Henri Martin, et de Jacques Orc, son élève. Oh, Jacques, ça va comme ça, merci. Tu m'as donné un fameux coup de main, tu peux partir. Je suis tout de même moins empoté qu'il y a 2 ans, non? Ah, ça tu peux le dire. Tu es devenu un véritable ébéniste, et personne d'autre que toi ne fera mon cercueil. Oh, Maître Martin. Et l'horlogerie n'a plus beaucoup de secrets pour toi. Maître Martin... C'est à vous tous que je le dois. Si vous n'aviez pas fait mon apprentissage avec tant de générosité, je ne saurais rien du tout. Ça, ma foi, c'est vrai. Et je mènerais encore une existence inutile dans un monde sans idéal, au lieu de travailler de mes mains, comme un ouvrier. Mais si les coucous que Maître Mathias va mettre en vente demain sont les mieux finis et les plus recherchés de Buren... Ça ne sera tout de même pas grâce à moi, Maître Martin. Bien sûr que si, mon petit Jacques. Grâce à toi
et à l'incroyable adresse de tes mains. Si vous le retenez encore au travail, maître Martin, Jacques finira par manquer la diligence. J'ai fini. Oui. Ce n'est pas que je tienne tellement à ce que tu partes. Ce sera mon dernier voyage en Haute-Austrasie. Je te le promets, Marguerite. Tu dis ça? Quelques affaires très importantes à régler, les dernières, et je te reviens pour toute la vie. Juré. À condition que tu veuilles toujours de moi, petite fille. Jacques, du jour où tu es arrivé à Buren, j'ai su que je n'appartiendrai qu'à toi. Marguerite. Je n'ai guère tardé à te le prouver. Tu sais, je n'ai jamais aimé tous ces voyages qui t'éloignent de moi, mais celui-ci, même s'il doit être le dernier, m'inquiète. Mais pourquoi? Il y a tant de bruit qui court. On dit qu'il se prépare des événements importants. Oh, les événements. On dit que bientôt, les heures se feront entendre partout. Oh, j'ai peur qu'il y ait des troubles pendant ton absence. J'ai peur que loin de moi, tu y sois mêlé. Moi? Mais pourquoi, grand Dieu? Pour prendre part à la chute de l'Empire des Loups, que sais-je? Le trône d'Austrasie est solide, Marguerite. Et pour moi, rien d'autre ne compte que ton amour. Autrefois, j'ai été follement riche. Aujourd'hui, je suis presque ruiné. Mais je n'aspire qu'à une vie de travail auprès de toi, parmi mes amis de Buren. Et à cela, jamais je ne renoncerai. À bientôt, maître Henri. Et reviens-nous vite, Jacques Orc. Sans toi, vois-tu, ce serait plus la même chose. Sur la petite place de Buren que traversent Jacques Orc et Marguerite Müller, il y a côte à côte trois maisonnettes, trois chalets identiques. Celui du milieu est la menuiserie dont ils sortent. Sur celui de droite, il y a une inscription, horlogerie, et en caractère plus petit, coucou et boîte à musique. Celui de gauche porte horlogerie de précision, maître Henri Müller. Henri Müller est le père de Marguerite. Les jeunes gens pénètrent dans le chalet où Madame Müller finit de remplir un panier de provisions pour Jacques. Je t'ai préparé des saucisses, du jambon de Prague et des croquettes de veau. Oh, Madame Müller, c'est trop gentil. Oh, il y a aussi du vin blanc. Tout ça ne vaut pas un vrai repas, mais enfin... Une paprika, Suzanne, tu as pensé au paprika? Naturellement, Henri. Il y a aussi une bonne tarte de Maman Müller. Allez, Jacques, c'est l'heure. En route, et encore merci. Puisque vous m'avez accordé la main de Marguerite, puis-je vous demander de la surveiller en mon absence? Bien sûr. 5 ou 6 jours, pas davantage. Après, je ne réponds plus de rien. Entendu. Au revoir, mes amis. Entrez. Messieurs, dames, Monsieur Jacques Orc, c'est ici? Oui, c'est moi. Bonjour, cocher. Ah, j'ai dans ma berline près de l'église un passager qui demande après vous. Bien, je vous suis. Juste un instant, mes amis, vous permettez? Non, oui. Qui est-ce? Un client qui l'aura oublié. Va chercher sa valise et son manteau chez maître Mathias. Quelques minutes plus tard et tu me manquais, Reginald. Je pars à Diana et d'ici quelques jours, je reviendrai à Buren pour épouser Marguerite et m'établir définitivement. Tu as bien réfléchi, Jacques. Oui, Reginald. Et ce n'est pas toi qui me blâmeras de n'écouter que mon cœur. C'est vrai. Je suis en route pour Trieste, où Marie-Sylvie se trouve en ce moment. Sois prudent, Reginald. Karl de Brandenberg est capable de tout pour te perdre et la perdre avec toi. Je le sais, mais c'est Marie-Sylvie elle-même qui me supplie de venir à Trieste. Lis ce billet. Sois sur tes gardes. Vas-y armé. Oui, de mon violon. Et de ta superbe montre qui retarde 5 bonnes minutes chaque jour. Non, mais donne-la-moi et prends la mienne à la place. Si. Reginald, si tu n'y allais pas. Plutôt mourir. Elle m'a mourir assassiné, Jacques. Il y a 2 ans que je ne l'ai pas vue. Et Dieu sait quand je pourrai la revoir, avec tout ce qui se prépare. Jacques, mes frères s'arment, ainsi que les Croates, tous les Slaves révoltés, de la Valachie, aux rives du Danube.
Qu'ils réfléchissent à la portée et aux conséquences de leurs actes, Reginald. Sois sûr que tout sera mûrement pesé, Jacques. Au revoir. Au revoir. Marguerite! Je viens, Jacques! Dieu, que c'est beau. On dirait un vrai coucou. Et même mieux. Mais ils sont chers, maître Mathias. Je sais que mes coucous sont chers. Ce sont les plus chers. Mais regardez-les. Quels bijoux. Tenez, notre dernière création. Une merveille. Tenez, vous voyez ce jeune homme qui traverse la place avec sa valise et sa fiancée. Charmant garçon, hein. Notre meilleur élève. Ce coucou est son heure. C'est un horloger qui fera parler de lui. Adieu, Jacques. Bon voyage. Adieu, un au revoir, maître Mathias, et à très bientôt, si les heures nous le permettent. Tu es soucieux, Jacques? Moi? C'est cette visite. Mon premier client, j'y tiens, tu penses? Alors, comme sa montre retardait, je lui ai donné la mienne qui avance. Viens. Viens, allons chez maître Frédéric, boire le coup de l'étrier en attendant la diligence. Allez, viens. Jacques, tu as du temps devant toi. C'est ce que je disais à notre fidèle cocher. Le courrier de Fribourg risque d'avoir du retard. Je sais, maître Frédéric, je sais. Il paraît qu'il y a du remue-ménage à Zienna. Et pas seulement dans la capitale. Tout le monde s'y met cette fois. Quelles sont les nouvelles? On dit que l'armée est en état d'alerte. Il y a beaucoup d'allées et venues sur les terres de Karl de Brandenburg. Il paraît que le grand-duc Tokay part pour Trieste. Trieste? Prague serait à feu et à sang. Oh, ça, je demande à voir. La diligence de Fribourg apportera peut-être du nouveau. Chut. Les murs ont des oreilles. Oui, oh. D'ailleurs, hein, qu'est-ce que ça veut bien nous faire, hein? Eh, moi, tant que les affaires marchent, le reste... La Reine du Saba, d'après Gaston Leroux. Adaptation de Pierre Prévert et Jean-Pierre Burgard. Thèmes originaux composés et interprétés par Ivry Gitlis. Réalisation Jean-Jacques Vierne. Aujourd'hui, deuxième épisode, les prédictions de Giscard. Calmez-vous, monsieur. Ah, les heures. Mais qu'est-ce que c'est que ça, les heures, hein? Oui, je vais vous le dire, moi, ce que c'est. Les heures. C'est une société secrète. Oui. Et qui a fait des adeptes même à Buchen. À ce que je constate. Ah, hein? Pauvre Strazi. Ce n'est pas d'en parler qui...
qui ébranlera le trône d'Austrasie. Et ici, on a le droit de dire tout ce qu'on veut en buvant ma bière et mon vin blanc, à condition d'aller payer. Dites-moi, monsieur, tous ces gens attendent aussi la diligence. Oh, rassurez-vous, madame, la plupart sont simplement venus aux nouvelles. Oh bon, et cette diligence est-elle au moins confortable et solide? Solide? Oui. Oh, pour sûr. Elle a fait ses preuves, allez, depuis 60 ans qu'elle roule, notre brave patache. 60 ans! Ah, 80, oui! Elle a même eu la gloire de faire sauter Napoléon sur ses genoux, madame. Un soir où il était si pressé de faire la guerre qu'il avait brisé sa berline sur les rochers du Val d'Enfer. Oh, elle penche bien un peu, tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, mais elle s'est jamais renversée, non. Alors, messieurs et mesdames, souhaitons pour François d'Austrasie que son trône se maintienne aussi longtemps qu'elle. Silence. N'y a-t-il donc que des conspirateurs dans cette auberge? Et vous, monsieur? Moi, monsieur? Oui, vous. Refuserez-vous de porter un toast à l'empereur et à la famille impériale? Eh bien, monsieur, j'attends ce toast. Eh bien, si vous le permettez, monsieur, c'est à l'impératrice Gisèle d'Austrasie que je lèverai mon verre. À la plus noble dame. Bravo! Très bien. Et que Dieu protège l'Empire! Et qu'il nous préserve d'une expérience démocratique à la sauce anglaise. Pouah ! Qu'importe le sceptre et la couronne, monsieur. L'Austrasie n'attendra plus longtemps le rendez-vous du destin. Qu'est-ce que vous nous sentez là ? Je dis que s'il n'y prend garde, l'empereur François sera balayé avec sa cour par la tempête qui se lève. Je vous interdis d'insulter la couronne ? Je n'insulte personne. Je dis que seules de profondes et généreuses réformes sociales peuvent régénérer l'Austrasie, et cela sans effusion de sang. Je vous approuve, monsieur. Vous auriez sans doute aussi l'approbation du maître de l'heure, Iglitza, et de ses traits de misère. Monsieur, les idées que défendent ces traits de misère sont les plus généreuses. Jacques, tais-toi. Eh bien, monsieur, si j'étais méchant, votre enthousiasme pourrait vous attirer quelques démêlés avec la police. À votre place, monsieur, je n'en ferai rien. Mais ne vous gênez pas. Voici la patrouille. Du vin, maître Frédéric. Voilà, cette délégue Disca a dû me jeter un sort. Mon cheval a perdu un fer. Oui, je levais bien haut mon verre en l'honneur des officiers de l'empereur. Et même trinquer avec eux. Maître Frédéric, des saucisses pour quatre, pour six. Hein, monsieur l'officier, vous aussi vous vous intéressez aux heures? Pardon? Mais pour la bonne cause. Tout le monde ici ne peut pas en dire autant. À force de fabriquer des coucous, certains habitants de Buchen se seraient pris de sympathie pour les heures. Tenez, la jolie cible que voilà. Il porte sur le bec. quoi? Un de brisé, cent autres sur le marché, pas vrai? Bravo! Jolie manière de réduire au silence les ennemis de l'Empire. Écoute un peu, toi. Quiconque entretient de près ou de loin des rapports avec les heures subira un jour ou l'autre... Le même sort que le coucou. Quick! Tu comprends à demi-mot. Que chacun en fasse autant à Buchen... Il ne s'en portera que mieux. Exact! Le courrier de Fribourg! Quelles sont les nouvelles, cocher? Allons vite! Parlez! À boire! De grâce, à boire! Tenez, le courrier. Alors, pour bouger, ça bouge. Donne-nous des détails. Ça bouge, elle vous dit que ça. Oh, quelle soif. Tiens, vois. Alors, tu vas parler? Ça bouge en Italie. Sauf à Trieste. On dit que la bohème va se soulever.
paraît que les heures veulent se battre. Jusqu'à l'abdication de l'empereur. L'empereur des loups. C'est le nom qu'il lui donne. Et la cour. Et le gouvernement. Et la jeunesse. L'empereur est partisan de la répression. Ah, ça va mieux. Il veut montrer sa force en passant les troupes en revue à Rolten. Trop tard. La jeunesse passe à l'action dans tout l'Empire. La monarchie ne sera bientôt plus qu'un souvenir. Bravo! Bravo! Victor, Victor. C'est Victor Baumgartner. Oh, l'imprudent. Et le signe précurseur du soulèvement général pourrait bien être donné dans 3 jours, au cours même de la parade de Rotten. Le malheureux. Jeune homme, il y a encore de la place dans les prisons pour des énergumènes comme vous. Dites donc, moi je vais vous faire le coup du coucou, la quick. Continuez. Victor, j'aurais aimé parler plus longuement avec toi, mais je dois partir. Écoute, sois prudent. Tu te fais beaucoup d'illusions. Mais non, j'arrive de Vienna. Mais si, tant que les minorités se haïront entre elles, le vieil empire restera debout, hélas. Sois sur tes gardes. Les loups sont encore plus féroces lorsqu'ils se sentent traqués. D'accord, on n'attend plus que vous. Victor, je regrette. À bientôt, Marguerite, ma chérie. Mais... Marguerite ? À bientôt, Jacques. Marguerite, que dois-je comprendre? Au moins es-tu sûre de l'aimer? Et que savons-nous de lui? Que sais-tu de lui? Que je l'aime, Victor. Tes lettres étaient de plus en plus rares, mais de là à me douter... Tu ne sais pas tout, Victor. Tu seras le seul à le savoir, même Jacques l'ignore. J'attends un enfant. Un enfant? Mais c'est merveilleux, Marguerite. Pourquoi ne l'as-tu pas dit à Jacques? Ce serait une joie immense pour lui. Tu crois vraiment? Et bien sûr, Jacques est le plus noble caractère que je connaisse. Oh, merci. Marguerite, malgré mon chagrin, sois sûre que rien ne ternira la profonde affection que j'ai pour lui. Et pour toi. Je pressentais quelque chose. J'ai été sur le point de te renvoyer tes lettres. Oh, Victor, tu peux conserver toutes mes lettres. J'ai toujours été sincère. Je sais, Marguerite. Et d'ailleurs, je ne pourrais pas te les rendre, elles ont disparu. Disparu? J'ai dû les perdre à Siena. À moins qu'on ne me les ait dérobées chez mon père, aux amis de la bière de Pilsen. Ton écriture est si jolie. Moi, pendant ce temps, à un carrefour de la forêt noire, j'attendais le passage de la berline qui emportait Reginald, mon roi, vers Trieste. Un instant, cocher. Arrête. Il faut que je parle à cette femme. Montre, Reginald. Je t'attendais. Les présages sont terribles. Eh bien, je suis prévenu. Fais vite, je suis pressé. Attends. Attends. J'ai préparé quelque chose pour toi. Tu ne partiras pas sans savoir. Aussi vrai que j'ai été changé en chatte. Mais quelle fumée! Je suffoque! Giska, tu sais bien que je ne crois pas à toutes ces pratiques. Mais toi non plus. Omar, l'ancien, y croit bien, lui. Omar a au moins 100 ans. Alors dis-moi ce que... Les signes ne trompent jamais. Fuerzas del más allá. Prestadme atención. Prestadme atención. Je vois une femme... Très belle et très douce, mais aussi malheureuse qu'elle est belle et douce. Marie-Sylvie. Les loups vous guettent tous les deux. Ils vous tueront tous les deux. Ils n'oseraient pas. Ils sont cruels et prêts à tout. Renonce à ce voyage.
Conserve-toi pour ton peuple, pour lui seul, Reginald. Disca, c'est la seule femme que j'aime. Elle m'appelle. On la persécute à cause de toi, Reginald. Elle aussi est en danger. De dures épreuves l'attendent. Une raison de plus pour répondre à son appel. Et si c'était un piège? À Trieste, son mari, Léopold Ferdinand de Carinthie, aura les mains libres. Ne l'oublie pas, Reginald. Tiens, Iska, prends ceci. Je te le confie. Le fouet à manche de cuivre et à longue lanière de cuir. Le fouet du grand Cesare, le roi élu des bohémiens. Celui avec lequel tu flagelleras le monde pour rétablir nos droits, dont la maison d'Austrasi nous a privés en montant sur le trône de Saint-Étienne. Iska, si tu n'entends plus parler de moi, porte ce fouet sacré au sein de Marie de la Mer. Reginald! Omar l'Ancien connaîtra mes dernières volontés. Adieu, Iska. N'y va pas, Reginald! N'y va pas! N'y va pas! Allons, en route! N'y va pas, Reginald! N'y va pas! N'y va pas! Et tandis que Reginald s'enfonçait dans la nuit à la rencontre de son destin, je regardais les fenêtres éclairées de la tour cage de fer où Karl de Bramberg s'apprêtait à souper joyeusement. Oh, Dame Rosa, certaines circonstances vont m'amener à utiliser à nouveau les talents de faussaire de ta fille, qui m'ont souvent été d'un grand secours, pour confondre les ennemis de l'Empire. Elle est pétrie de dons, cette enfant. Elle est tout à votre service, monseigneur. Ah. Alors, regarde cette écriture, Rosa, comme elle est jolie. C'est encore une écriture de femme. Il faut que Marthe l'étudie au plus vite et s'exerce à l'imiter parfaitement. Oh, c'est facile, Karl. Pas si facile. N'est-elle pas fort personnelle? Curieusement calligraphiée. Marthe est si habile en toutes choses, monseigneur. Retient-elle à ce point de sa mère? Oh, Karl. Monseigneur est servi. On vient, Marthe, on vient. Marthe, sers-moi une coupe de champagne et sers nos amis. Merci. Merci, bel enfant. Jolie fille, hein? Oh, je ne quitte jamais ces vieux murs sans nostalgie, moi. Oh, vous y reviendrez bientôt. Oh, et pas de si tôt, ma vieille amie. Nous allons avoir un locataire. Un locataire? Vous abandonnez la tour cage de fer? Pour quelque temps. Cet homme est amoureux, fou, de ces lieux sauvages et solitaires. Mais que préparez-vous encore? Il faut être fou, en effet, pour s'enfermer volontairement dans cette tour. Oui, ou bien avoir intérêt à se cacher ou à dissimuler quelque chose. Ça, j'ignore tout de ces raisons. Mais je compte sur Dame Rosa et sa fille pour en savoir plus long. Dans l'intérêt même de l'Empire. Mais quel est son nom, monseigneur? C'est un horloger. Il s'appelle Jacques Orc. Orc, Orc, c'est cela. Ça rapporte gros les coucous de nos jours. Surtout à Buchan. À la même heure, à Buchan, les Müller, maître Mathias et maître Martin, fêtaient le retour de Victor Paumgartner en honorant la cuisine de madame Müller. Il y a aussi des faits que je ne peux vous révéler encore. Dites-moi, à votre avis,
Où se tiennent les réunions les plus secrètes des conjurés? Et tu sais ça, toi? Eh oui, maître Muller. Elles se tiennent chez mon père. Quoi? Aux Amis de la bière de Pilsen, dans les caves de la brasserie la plus en vue de Siena. Oh, bien joué, bien joué. Aucune police n'aurait l'idée d'aller les chercher dans un lieu que fréquente toute l'aristocratie de Siena. Depuis les propres fils de l'empereur jusqu'au ministre, en passant par l'odieux et sinistre Karl de Bramberg. Ah, oh, la cuisine de maman Mula. Oh, c'est bien peu de choses. Mais tu n'as rien mangé, Marguerite. Je ne sais pas ce que j'ai, maman. Je ressens une sorte d'appréhension. J'ai le cœur serré. Oh, c'est bête, n'est-ce pas? Mange, ma fille. Mange, et ça passera. Et buvons à la santé de Jacques. Et oui, bravo. À la santé de Jacques. Santé, hein. Santé. Bravo. Et l'armée dans tout ça? L'armée, maître Mathias. Mais elle est gagnée aussi des nouvelles. Elle ne voit plus que par les yeux de sa nouvelle idole, le prince héritier Frédéric Jacques. Elle pourrait bien se ranger à nos côtés, sous son commandement. Quand sonnera l'heure rouge? L'heure rouge? Oui, c'est ainsi que nous appelons l'heure de l'insurrection. Insurrection? Bien sûr. Et c'est pour cela que je disais que la revue militaire de Rotteln, où l'armée sera conduite par le prince Frédéric Jacques lui-même, ne se passera pas sans un coup de théâtre plus ou moins stupéfiant. Quoi? Un attentat? Je ne peux rien vous dire, mais un signe, le fameux signe précurseur. De la fin des loups d'Austrasie. Oh, vous me faites peur tous. Si on accompagnait Victor à Rotteln, nous serions peut-être témoins d'événements historiques. Oh oui, d'accord. Mais ça te distraira, Marguerite. Et puis, mes enfants, cette journée sera peut-être la première d'une ère nouvelle. Qui vient à cette heure? C'était La Reine du Saba, d'après Gaston Leroux. Adaptation de Pierre Prévert et Jean-Pierre Burgard. Aujourd'hui, deuxième épisode. Avec Jacques Alric, Samy Fray, Annick Blanchetot, Germaine Montero, François Marié, Ivry Gitlis, Jean Martin, Malka Ribowska, Hermine Caragueuse, Raymond Bussière, André Weber, Fernand Berset, Oran de Mazis, et la participation de Michel Amiel, Yves Penaud, Jacques Maire, Roger Desmar, Pierre Garin, Christian Chevreuse, Pierre Decaze. Reine du Saba, d'après Gaston Leroux. Adaptation de Pierre Prévert et Jean-Pierre Burgard. Thèmes originaux composés et interprétés par Ivry Gitlis. Réalisation Jean-Jacques Vierne. Aujourd'hui, deuxième épisode, les prédictions de Giska.
assez. Assez. J'en ai assez. Entendre tous ces serpents cracher sur la famille de notre bon empereur François. Vous entendez, maître Frédéric? Mais calmez-vous, monsieur. Ah, les heures, les heures. Mais qu'est-ce que c'est que ça, les heures, hein? Oui, je vais vous le dire, moi, ce que c'est. Les heures. C'est une société secrète. Oh. Oui. Et qui a fait des adeptes même à Buchen. À ce que je constate. Ah, hein. Pauvre Strazi. Ce n'est pas d'en parler qui ébranlera le trône de Strazi. Et ici, on a le droit de dire tout ce qu'on veut en buvant ma bière et mon vin blanc, à condition d'aller payer. Dites-moi, monsieur, tous ces gens attendent aussi la diligence. Oh, rassurez-vous, madame, la plupart sont simplement venus aux nouvelles. Oh bon, et cette diligence, est-elle au moins confortable et solide? Solide? Oui. Oh, pour sûr. Elle a fait ses preuves, allez, depuis 60 ans qu'elle roule, notre brave patache. 60 ans! 80, oui! Elle a même eu la gloire de faire sauter Napoléon sur ses genoux, madame! Oui, soir où il était si pressé de faire la guerre qu'il avait brisé sa berline sur les rochers du Val d'Enfer. Oh, elle penche bien un peu, tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, mais elle s'est jamais renversée, non. Alors, messieurs et mesdames, souhaitons pour François de Strazi que son trône se maintienne aussi longtemps qu'elle. Silence. N'y a-t-il donc que des conspirateurs dans cette auberge? Et vous, monsieur? Moi, monsieur? Oui, vous. Refuserez-vous de porter un toast à l'empereur et à la famille impériale? Eh bien, monsieur, j'attends. J'attends ce toast. Eh bien, si vous le permettez, monsieur, c'est à l'impératrice Gisèle d'Austrasi que je lèverai mon verre. À la plus noble dame. Bravo. Bravo. Et que Dieu protège l'Empire. Et qu'il nous préserve d'une expérience démocratique à la sauce anglaise. Pouah ! Qu'importe le sceptre et la couronne, monsieur. L'Austrasie n'attendra plus longtemps le rendez-vous du destin. Qu'est-ce que vous nous sentez là ? Je dis que s'il n'y prend garde, l'empereur François sera balayé avec sa cour par la tempête qui se lève. Je vous interdis d'insulter la couronne ? Je n'insulte personne. Je dis que seules de profondes et généreuses réformes sociales peuvent régénérer l'Austrasie, et cela sans effusion de sang. Je vous approuve, monsieur. Vous auriez sans doute aussi l'approbation du maître de l'heure, Iglitsa, et de ses traits de misère. Monsieur, les idées que défendent ces traits de misère sont les plus généreuses. Jacques, tais-toi. Eh bien, monsieur, si j'étais méchant, votre enthousiasme pourrait vous attirer quelques démêlés avec la police. À votre place, monsieur, je n'en ferai rien. Mais ne vous gênez pas. Voici la patrouille. Du vin, maître Frédéric. Voilà, cette délégue a dû me jeter un sort. Mon cheval a perdu un fer. Oui, je levais bien haut mon verre en l'honneur des officiers de l'empereur. Et même trinquer avec eux. Maître Frédéric, des saucisses pour quatre, pour six. Hein, monsieur l'officier, vous aussi vous vous intéressez aux heures? Pardon? Mais pour la bonne cause. Ah. Tout le monde ici ne peut pas en dire autant. À force de fabriquer des coucous, certains habitants de Buchen se seraient pris de sympathie pour les heures. Tenez, la jolie cible que voilà. Et bon, sur le bec. Eh ben quoi? Oh ben oui, mais... Un de brisé, cent autres sur le marché, pas vrai? Bravo! Jolie manière de réduire au silence les ennemis de l'Empire. Écoute un peu, toi. Quiconque entretient de près ou de loin des rapports avec les heures subira un jour ou l'autre... Le même sort que le coucou. Quick! Tu comprends à demi-mot. Que chacun en fasse autant à Buchen... Il ne s'en portera que mieux. Exact! Quick! Le courrier de Fribourg! Ah.
nouvelles, cocher. Allons vite. Parlez. À boire. De grâce, à boire. Tenez, le courrier. Alors, pour bouger, ça bouge. Donne-nous des détails. Ça bouge, elle vous dit que ça. Oh, quelle soif. Tiens, quoi. Ouais. Alors, tu vas parler. Ça bouge en Italie. Elles sont patriotes. On dit que la bohème va se soulever. Il paraît que les heures veulent se battre. Jusqu'à l'abdication de l'empereur. L'empereur des loups. C'est le nom qu'il lui donne. Et la cour. Et le gouvernement. Et la jeunesse. L'empereur est partisan de la répression. Ah, ça va mieux. Il veut montrer sa force en passant les troupes en revue à Rolten. Trop tard. La jeunesse passe à l'action dans tout l'Empire. La monarchie ne sera bientôt plus qu'un souvenir. Bravo. 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 Victor, c'est Victor. C'est Victor Baumgartner. Oh, l'imprudent. Et le signe précurseur du soulèvement général pourrait bien être donné dans 3 jours, au cours même de la parade de Rotten. Le malheureux. Jeune homme, il y a encore de la place dans les prisons pour des énergumènes comme vous. Dites donc. Moi, je vais vous faire le coup du coucou, la quick. Continuez. Victor, j'aurais aimé parler plus longuement avec toi, mais je dois partir. Écoute, sois prudent. Tu te fais beaucoup d'illusions. Mais non, j'arrive de Vienna. Mais si, tant que les minorités se haïront entre elles, le vieil empire restera debout, hélas. Sois sur tes gardes. Les loups sont encore plus féroces lorsqu'ils se sentent traqués. D'accord, on n'attend plus que vous. Victor, je regrette. À bientôt, Marguerite, ma chérie. Mais... Marguerite ? À bientôt, Jacques. Marguerite, que dois-je comprendre? Au moins es-tu sûre de l'aimer? Et que savons-nous de lui? Que sais-tu de lui? Que je l'aime, Victor. Tes lettres étaient de plus en plus rares, mais de là à me douter... Tu ne sais pas tout, Victor. Tu seras le seul à le savoir, même Jacques l'ignore. J'attends un enfant. Un enfant? Mais c'est merveilleux, Marguerite. Pourquoi ne l'as-tu pas dit à Jacques? Ce serait une joie immense pour lui. Tu crois vraiment? Et bien sûr, Jacques est le plus noble caractère que je connaisse. Oh, merci. Marguerite, malgré mon chagrin, sois sûre que rien ne ternira la profonde affection que j'ai pour lui. Et pour toi. Je pressentais quelque chose. J'ai été sur le point de te renvoyer tes lettres. Oh, Victor, tu peux conserver toutes mes lettres. J'ai toujours été sincère. Je sais, Marguerite. Et d'ailleurs, je ne pourrais pas te les rendre, elles ont disparu. Disparu? J'ai dû les perdre à Siena. À moins qu'on ne me les ait dérobées chez mon père, aux amis de la bière de Pilsen. Ton écriture est si jolie. Moi, pendant ce temps, à un carrefour de la forêt noire, j'attendais le passage de la berline qui emportait Reginald, mon roi, vers Trieste. Un instant, cocher. Arrête. Il faut que je parle à cette femme. Montre, Reginald. Je t'attendais. Les présages sont terribles. Eh bien, je suis prévenu. Fais vite, je suis pressé. Attends. J'ai préparé quelque chose pour toi. Tu ne partiras pas sans savoir. Aussi vrai que j'ai été changé en chatte. Mais quelle fumée! Je suffoque! Giska, tu sais bien que je ne crois pas à toutes ces pratiques. Mais toi non plus. Omar, l'ancien, y croit bien, lui. Omar a au moins 100 ans. Alors dis-moi ce que... Les signes ne trompent jamais. Fuerzas del más allá. Prestadme atención. Prestadme atención. Je vois...
une femme. Très belle. Et très douce. Mais aussi malheureuse qu'elle est belle et douce. Marie-Sylvie. Les loups vous guettent tous les deux. Ils vous tueront tous les deux. Ils n'oseraient pas. Ils sont cruels et prêts à tout. Renonce à ce voyage. Conserve-toi pour ton peuple, pour lui seul, Reginald. Biska, c'est la seule femme que j'aime. Elle m'appelle. On la persécute à cause de toi, Reginald. Elle aussi est en danger. De dures épreuves l'attendent. Une raison de plus pour répondre à son appel. Et si c'était un piège ? À Trieste, son mari, Léopold Ferdinand de Carinthie, aura les mains libres. Ne l'oublie pas, Reginald. Tiens, Biska, prends ceci. Je te le confie. Le fouet à manche de cuivre et à longue lanière de cuir. Le fouet du grand Cesare, le roi élu des bohémiens. Celui avec lequel tu flagelleras le monde pour rétablir nos droits, dont la maison d'Austrasie nous a privés en montant sur le trône de Saint-Étienne. Biska, si tu n'entends plus parler de moi, porte ce fouet sacré au sein de Marie de la Mer. Reginald! Omar l'Ancien connaîtra mes dernières volontés. Adieu, Biska. N'y va pas, Reginald! N'y va pas! N'y va pas! Allons, en route! N'y va pas, Reginald! N'y va pas! N'y va pas! Et tandis que Reginald s'enfonçait dans la nuit à la rencontre de son destin, je regardais les fenêtres éclairées de la tour cage de fer, où Karl de Bramberg s'apprêtait à souper joyeusement. Oh, Dame Rosa, certaines circonstances vont m'amener à utiliser à nouveau les talents de faussaire de ta fille, qui m'ont souvent été d'un grand secours, pour confondre les ennemis de l'Empire. Elle est pétrie de dons, cette enfant. Elle est tout à votre service, monseigneur. Ah. Alors, regarde cette écriture, Rosa, comme elle est jolie. C'est encore une écriture de femme. Il faut que Marthe l'étudie au plus vite et s'exerce à l'imiter parfaitement. Oh, c'est facile, Karl. Pas si facile. N'est-elle pas fort personnelle? Curieusement calligraphiée. Marthe est si habile en toutes choses, monseigneur. Retient-elle à ce point de sa mère? Oh, Karl. Monseigneur est servi. On vient, Marthe, on vient. Marthe, sers-moi une coupe de champagne et sers nos amis. Merci. Merci, belle enfant. Jolie fille, hein? Oh, je ne quitte jamais ces vieux murs sans nostalgie, moi. Oh, vous y reviendrez bientôt. Oh, et pas de si tôt, ma vieille amie. Nous allons avoir un locataire. Un locataire? Vous abandonnez la tour cage de fer? Pour quelque temps. Cet homme est amoureux, fou, de ces lieux sauvages et solitaires. Mais que préparez-vous encore? Il faut être fou, en effet, pour s'enfermer volontairement dans cette tour. Oui, ou bien avoir intérêt à se cacher ou à dissimuler quelque chose. Ça, j'ignore tout de ces raisons. Mais je compte sur Dame Rosa et sa fille pour en savoir plus long. Dans l'intérêt même de l'Empire. Mais quel est son nom, monseigneur? C'est un horloger. Il s'appelle Jacques Orc. Orc, Orc, c'est cela. Ah, ça rapporte gros les coucous de nos jours. Surtout à Buchan.
À la même heure, à Buren, les Muller, maître Mathias et maître Martin, fêtaient le retour de Victor Baumgartner en honorant la cuisine de madame Muller. Il y a aussi des faits que je ne peux vous révéler encore. Dites-moi, à votre avis, oui, où se tiennent les réunions les plus secrètes des conjurés? Et tu sais ça, toi? Eh oui, maître Muller. Elles se tiennent chez mon père. Quoi? Aux amis de la bière de Pilsen, dans les caves de la brasserie la plus en vue de Siena. Oh, bien joué! Bien joué! Aucune police n'aurait l'idée d'aller les chercher dans un lieu que fréquente toute l'aristocratie de Siena. Depuis les propres fils de l'empereur jusqu'au ministre, en passant par l'odieux et sinistre Karl de Bramberg. Oh, la cuisine de maman Muller. Oh, c'est bien peu de choses. Mais tu n'as rien mangé, Marguerite. Je ne sais pas ce que j'ai, maman. Je ressens une sorte d'appréhension. J'ai le cœur serré. Oh, c'est bête, n'est-ce pas? Mange, ma fille. Mange, jusqu'à passera. Et buvons à la santé de Jacques. Oui, bravo. Bravo. À la santé de Jacques. Santé, hein. Santé. Bravo. Et l'armée dans tout ça? L'armée, maître Mathias. Mais elle est gagnée aussi des nouvelles. Elle ne voit plus que par les yeux de sa nouvelle idole, le prince héritier Frédéric Jacques. Elle pourrait bien se ranger à nos côtés, sous son commandement. Quand sonnera l'heure rouge? L'heure rouge? Oui, c'est ainsi que nous appelons l'heure de l'insurrection. Insurrection? Bien sûr. Et c'est pour cela que je disais que la revue militaire de Rotteln, où l'armée sera conduite par le prince Frédéric Jacques lui-même, ne se passera pas sans un coup de théâtre plus ou moins stupéfiant. Quoi? Un attentat? Je ne peux rien vous dire, mais un signe, le fameux signe précurseur. De la fin des loups d'Austrasie. Oh, vous me faites peur tous. Si on accompagnait Victor à Rotteln, nous serions peut-être témoins d'événements historiques. Oh oui, d'accord. Ça te distraira, Marguerite. Et puis, mes enfants, cette journée sera peut-être la première d'une ère nouvelle. Tu viens à cette heure? Sabbat, d'après Gaston Leroux. Adaptation de Pierre Prévert et Jean-Pierre Burgard. Aujourd'hui, deuxième épisode. Avec Jacques Alric, Samy Fray, Annick Blancheteau, Germaine Montero, François Marié, Ivry Gitlis, Jean Martin, Malka Rybowska, Hermine Caragueuse, Raymond Bussière, André Weber, Fernand Berset, Oran de Mazis. Et la participation de Michel Amiel, Yves Pénaud, Jacques Maire, Roger Desmar, Pierre Garin, Christian Chevreuse, Pierre Decaze. Bruitage, Joël Noël et Louis Amiel. Chef opérateur du son, Marcel Grenier. Collaboration technique, Hélène Kotler, Marie-Françoise Simon, Philippe Palluau. Assistante, Jacqueline Archambault. Réalisation, Jean-Jacques Vierne.